Non mais je sais pas si je fais bien de faire cette vidéo. Je crois que les gens ils vont me regarder bizarre après. Salut tout le monde, c'est Aléana. Bienvenue sur ma chaîne si vous ne me connaissez pas encore. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Un petit peu spéciale parce que comme vous avez vu dans le titre, c'est 30 questions intimes sur moi. Et je sens que ma famille va faire un AVC si elle regarde ça. Voilà, donc c'est une vidéo que j'ai trouvée, donc je l'ai là sur la chaîne de Lola Vegan Life. Donc si vous ne la connaissez pas, je vous mets le lien de sa chaîne en dessous avec le lien de la vidéo. Qu'elle-même, elle a tiré ça de... C'est une vidéo de Luffy, donc je ne connais pas cette youtubeuse. Donc voilà, je l'ai trouvé sympa, donc je me suis dit pourquoi pas faire aussi une vidéo comme ça. Donc voilà, c'est parti. Question 1. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ton dernier rêve? Ce que j'étais en train de faire dans mon dernier rêve hot, c'est simple, j'étais en train de faire le coït, comme dirait Sheldon, avec une certaine personne à l'arrière d'une certaine voiture. Et voilà, je n'en dirai pas plus pour pas que... Voilà, ça, ça reste pour moi. Question 2. Noir ou rouge? J'arrive pas à choisir mes deux. Un noir ou rouge, je dirais plutôt noir parce que il y a une fille que je connaissais qui avait des dessous rouges pour certaines occasions. Avec qui ça s'est très mal passé au niveau amitié et en fait j'ai fait un blocage tout simplement sur les sous-vêtements rouges parce que maintenant dès que j'en vois, bah, je pense à elle, donc noir. Question 3. Ah oui, alors je viens de me rappeler que c'était pas vraiment un tag, c'était plus des questions à faire en couple. Donc la couleur de ma culotte, bah tout simplement. Non, j'en ai pas une noire aujourd'hui. Elle est un peu noire avec écrit I love my boyfriend. Alors que je suis célibataire. Question 4. Quelle est la chose la plus salace que tu aies faite? La plus salace, alors faut décrire ce qui est sale, parce qu'en fait lorsque deux personnes font quelque chose fin et qu'elles sont consentantes, je ne vois pas ce qu'il y a de sale, sachant que c'est un truc qui se partage à deux, donc là, je vois pas. Question 5. Plus grand fantasme? Je pense que mon fantasme est... Mon plus grand fantasme, je sais pas. Question 6. Je sais pas, parce que je suis pas du genre à m'exprimer. Enfin, désolée pour ce petit détail, mais à l'époque j'étais du genre à m'exprimer, mais maintenant, enfin, j'ai totalement changé et c'est plus des onomatopées ou des gémissements. Mon dieu, ma famille, regardez ça. Question 7. Est-ce que ça me dérange concrètement? Non, j'ai pas de problème avec la nudité et il y a une petite anecdote où lorsque j'étais à Tours avec des anciens amis, c'est simple, on rentrait du bar, bah, j'étais bourrée et puis voilà, j'ai eu envie de me mettre en pyjama et j'ai continué à parler en fait avec les gens qui étaient là dans le salon et je me suis changée, je me suis foutue à poil dans le salon et je me suis mise en pyjama. Question 8. À quoi penses-tu quand tu t'es garée? À un certain monsieur. Question 9. As-tu déjà fait l'amour à l'extérieur? Oui. Il y a eu des toilettes de grande surface, il y a eu des toilettes de restaurant, il y a eu un parc, il y a eu une ruelle, il y a eu une cage d'escalier. Oui, oui, clairement, oui. Question 10. Ça te dit de tester des nouveaux jouets? Bah, pourquoi pas, sachant que je n'en ai jamais utilisé, donc voilà. Et en fait, je n'en ai même pas. Et la seule chose que je voudrais, ce serait le petit canard avec le boa autour du cou tout noir. Le petit canard tout noir, et en fait, ça serait pour mettre avec ma déco. Ah si, j'avais des menottes, mais je les ai plus utilisées en accessoires vestimentaires qu'autre chose.
Pourquoi pas? Question 11. Faire l'amour plus que d'une seule façon, qu'est-ce que je choisirais? Je sais pas du tout. Je peux pas dire. Là, j'ai rien qui me vient à l'idée. Question 12. Quand veux-tu masturber pour la dernière fois? Je crois que ça remonte il y a 3 semaines. Et avant, ça remontait à il y a. Voilà, je ne suis pas une adepte de ça. Je préfère que ce soit les mains des autres. Question 13. Que préfères-tu, alors, personnellement, j'ai assez le dégoût des poils faciles. Je n'aime pas ça. Ça me répugne, je n'aime pas. Donc, s'il faut choisir, je dirais chauffeur. Question 14. Quelle est ma position favorite? Je me sens tellement mal de dire ça. Pourtant, je l'avais regardé la vidéo juste avant, donc je savais qu'il allait y avoir des questions qui allaient me mettre mal à l'aise. Vous me laissez boire juste un petit peu d'eau avant, histoire que je fasse quelques secondes de silence pour les gens de ma famille qui regardent ça. Question 15. Alors, la partie la plus sensible de mon corps, je dirais que ce sont mes cuisses. Parce que lorsque, par exemple, il y a la cuisse qui est comme ça, là, l'index et le genou, et il y a une main qui effleure et qui, au fur et à mesure, les ongles ou les doigts rentrent un petit peu dans la peau, ça. Ouais, ça serait les cuisses. Question 16. Si tu pouvais faire l'amour avec une star, Kenny Reeves, je vous le mets là. Comment? On peut pas dire non. Question 17. Est-ce que j'ai déjà nagé nu? Oui, parce que rien que lorsque on était enfant entre cousins, le rituel qu'on avait lorsqu'on arrivait en Espagne à la maison où on était en famille, c'était le bain de minuit, donc à poil dans la piscine, et puis voilà, et puis oui, je l'ai fait plus tard. Et c'est très agréable d'ailleurs. Question 18. Il y a une époque, j'aurais répondu mes fesses parce que j'allais à la salle et je travaillais pas mal les fessiers et les cuisses. Donc voilà, j'étais assez fière du booty que j'avais. Maintenant, je dirais plus mes seins, même si j'ai pas franchement de préférence. Mais j'ai appris à accepter la morphologie de mes seins depuis que j'ai perdu du poids. Et voilà, je dirais mes seins. Question 19. Un lieu public où j'aimerais qu'on fasse l'amour. Je dirais dans un cinéma. Devant un Marvel loin d'ici. Question 20. Je domine ou tu tiens les rênes? Ça serait plutôt tu tiens les rênes, même si voilà, j'aime bien le rapport de force entre guillemets entre les personnes, mais ce serait plutôt tu tiens les rênes. Question 21. Les préliminaires parfaits, ce serait avant, au milieu, un petit peu plus tard, après, on fait un petit dodo, et hop, un petit peu encore, et puis voilà. Question 22. Que devrait porter la personne en train de tomber une fois le corps? Si c'est un homme, ce serait un jean. Bien taillé, bien à la taille, avec soit un débardeur noir, soit avec une chemise blanche ouverte. Si c'est une femme, ça serait simplement un petit déshabillé en satin et dentelle avec un petit bralette dentelle et le petit shorty ou tanga ou la petite culotte dentelle fine noire, bien sûr. Ou blanc, c'est mignon, mais noir.
Question 23. Quel message pourrait te faire perdre les pédales? Le message qui pourrait me faire perdre les pédales, ce serait un message où la personne saurait exactement ce que je veux et ce que j'aime et que j'aurais envie de faire avec cette personne. Et voilà, par exemple, je suis occupée ou autre chose, ou je suis en présence et je reçois un message comme ça, et ouais, ça pourrait me faire perdre les pédales. Question 24. Lumière allumée ou noir complet? Lumière allumée ou noir complet, bah ça dépend, parce que le noir, d'un côté, ça décuple les sens, il y a le toucher, il y a l'ouïe, il y a tout vraiment qui est décuplé à ce moment-là, donc ce sont d'autres sensations, et lumière allumée c'est agréable aussi parce qu'on peut voir les expressions du visage et puis profiter un peu de la vue du corps de la personne. Question 25. Que me ferais-tu là maintenant? Un café. Question 26. À quel jeu aimerais-tu jouer? Un stripper stone. Question 27. J'adore me faire insulter, j'adore traiter comme une moins que rien, être descendue, rabaissée dans mon estime, mon orgueil, tout ce que vous voulez, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vais juste reboire un petit peu parce que j'ai pensé à un monsieur. Ça a été assez perturbant parce qu'au final j'avais l'impression que c'était Lola qui me posait les questions vu que je regardais sa vidéo en même temps, donc... Voilà, Lola, on s'est posé des questions. Enfin, tu m'as posé des questions, Adine. Donc, comme elle dit dans sa vidéo, le sexe est tellement tabou que je voulais faire ce petit acte qui était quand même assez marrant pour pouvoir parler de choses. Bah, qu'au final, tout le monde fait, chacun à sa façon, comme il en a envie. Mais c'est quelque chose que tout le monde fait. Donc, je vois pas pourquoi ça devrait être tabou. Après, c'est pas du cru, c'est pas du trash, c'est juste parler de fantasmes ou de jeux ou autre chose. Donc voilà, c'est pour ça, je trouvais que c'était marrant de faire cette petite vidéo. Donc c'est tout. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous abonner à ma page, de cliquer sur la petite cloche pour être averti de mes prochaines vidéos et de me suivre sur les réseaux sociaux, donc aleana.vegan sur Instagram, aleana.vegan sur Twitter et aleana-vegan sur Tipeee. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.